Mesdames et Messieurs, Madame la représentante du Premier ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Messieurs, Dames et membres du Président, avec votre permission, nous allons commencer la cérémonie. C'est qu'on a vécu. Les experts consciencieux de Tachat ont décidé, à travers le projet Force, de mettre leurs expériences, leur savoir-faire, mais aussi et surtout leur volonté de parfaire au service et au secours de la formation paramédicale. Il s'agit tout simplement d'une synergie publique-privée pour améliorer la qualité de la formation initiale et continue des professionnels de la santé et de la reproduction. Ceci dit, mesdames et messieurs, la présente cérémonie s'articulera autour des actes suivants. Dans un instant, je céderai ce pupitre au directeur général de l'Institut national de formation en sciences de la santé pour ses mots de bienvenue, mais également pour la présentation du projet Force. Dans le partenaire financier du FIC, il s'est assuré de l'intervention du représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas. Et pour finir, nous aurons les mots du lancement officiel. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, honorables invités, l'expérience d'une vie réussie est point à l'ordre de la victoire, mais dans le sentiment et la conscience pour tout un chacun d'avoir été à la hauteur de ses responsabilités entre le tribunal de l'histoire au Congo. Accomplir sa mission avec objectivité et clairvoyance est tout ce qui importe pour le directeur général de l'Institut national de formation en sciences de la santé, et je vous demande d'ovationner pour ces mots de bienvenue.